sound booth, make sure his mic is working. Praise the Lord. This is, I'm going to say, Pastor Banako. Yes. Banako. Banako. This is a man of God. Togo, Africa came to the celebration service to celebrate the 100 years of the Assemblies of God. It was a great time. Many ministers all over the world came to give thanks to God for the message that has been sent across the world through America and through the Assemblies of God. It was a great time. But I've learned something about him, just talking with him. I think it's just amazing. He has children of God, people from his congregation that are in America. And he's spending time now. That's the reason he's here today, because TT and Kaka are here, and TT was raised up in his home, and his daddy, you know, his papa, he calls him. And this pastor is going around meeting other young men and women that he's pastored, and he's, before he goes back to Togo, he's gonna spend some time with them. Isn't that a great pastor? Huh? Come on. Let's give him thanks. I would like to speak English, but my English is very old one. I decided to ask my brother to help me translate this morning. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Let's pray. L'Éternel des armées, nous voici encore dans ta maison. Lord, nous te remercions d'être dans ta maison. Lord, we thank you for being in your house today. Dans ce monde entier, ce jour-ci. In this world, in this day today. La gloire et l'honneur est due à toi. The glory belongs to you. Par ton amour et ta miséricorde. By your grace and your miracle. Tu m'as accordé l'occasion d'être avec les sœurs et frères de cette ville. You gave me a chance to be with the brothers and sisters of this town. Nous te bénissons pour ton amour envers nous tous. We bless you for your love and toward us. Nous croyons en ta mort. We believe in your death. Nous croyons en ta résurrection. We believe in your resurrection. Et nous croyons à ton deuxième retour. And we believe in your second coming. Nous nous préparons pour cela. We are preparing ourselves for that. Dans n'importe quel point du monde, nous nous trouvons. In any part of the world that we find ourselves. Nous sommes connectés à toi. We are connected to you. Très branchés à toi. Really connected to you. Et nous avons besoin de ton Esprit Saint. And we really in desperate need of you. Accorde-moi ta grâce de partager ta parole ce matin avec les sœurs et frères. Please give us your grace. Give us your grace. Share your word with my brothers and sisters. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Comme le pasteur venait de le dire. Like the pastor just said. Nous sommes venus au centenaire anniversaire à Springfield. So we came in the 100th anniversary in this Springfield. J'ai eu la grâce d'assister au 75e anniversaire de l'Église Assemblée de Dieu à Indianapolis les années passées. I have the privilege to attend the 15th anniversary of the Assembly of God in Indianapolis a few years back. Et Dieu m'a accordé la grâce d'être là au 100e encore. And God allowed me to be here in the 100th. Je suis le pasteur Djalla Banako. I am Pastor Djalla Banako. Et je suis marié et père de trois enfants. I am married and I'm a father of two children. J'ai deux garçons et une fille. I have two sons and a daughter. Mon premier garçon a 35 ans. My oldest son is 35 years old. Mon deuxième enfant a 30 ans. My second is 30 years old. Et ma fille a 25 ans. And my daughter is 25 years old. Je remercie Dieu pour son amour. I thank God for His love. Donc, après la cérémonie de Springfield, but after the Springfield celebration, j'ai décidé de venir voir mon fils dans le Seigneur, Daté et sa femme. I decided to come see my son in Lord. Parce que quand il était dans cette ville, because when he was in this town, il est revenu pour se marier au pays. He came back to get married back home. Et c'est moi qui avais célébré leur mariage. And I'm the one that officiated the marriage. Il m'a dit qu'il a un pasteur qui l'aime trop ici dans cette ville. And he told me that he has a pastor that he loves so much in this town. Alors je me suis dit, je viendrai le saluer, voir le nouveau-né
And I told myself, I told him I'm going to come and I'm going to greet him and sort of meet the newborn. Et quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai vu le pasteur. Ce que mon fils dans le Seigneur m'a dit est vrai. And when I came to this town, I saw the pastor, and everything that my son told me was true. C'est comme on se connaissait longtemps. It feels like we knew each other for a long time. Et c'est ce que l'évangile fait. And that's how the evangelism works. Le chrétien n'est pas étranger parmi les chrétiens. The Christian is not a stranger among Christians. Parce que le sang de Jésus-Christ nous unit. Because the blood of Jesus Christ unites. Quelle qu'en soit notre nationalité. No matter our nationality. Quelle qu'en soit notre couleur. No matter our color, of our skin. Le sang de Jésus nous unit. The blood of Jesus Christ unites us. Et je suis reconnaissant à Dieu pour la vie du pasteur et de sa femme et sa famille. I'm really grateful for God for the life of my son and his wife and his family. Ils m'ont bien accueilli dans leur maison. They really, I was well received in their home. Et je remercie Dieu pour Daté et sa femme et son enfant. And I really give thanks to the Lord for Daté and his son. Et j'ai vu encore deux Togolais avec moi ici. And I've met two Togolese as well here with me. Je me dis que le Togo est béni dans l'Amérique. And I tell myself that Togo is blessed in America. Mais il faut qu'un jour l'Amérique soit bénie dans le Togo. But I'm looking for the day that one day America will be blessed in Togo. Amen. Amen. Donc, vous allez m'excuser parce que nous, les Africains, nous prêchons un peu long. You have to excuse me, but just us, because us Africans, we preach a little long. Mais je ne veux pas être trop long. But I will try not to be too long. Mais si cela arrivait, faut le pardon. But if it happened, please forgive me. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. We're going to read in the book of Ezekiel. Nous allons étudier une histoire qui est connue de nous tous. And we are going to study a story that is well known from all of us. Il est très important que nous puissions méditer les Saintes Écritures lorsque nous nous retrouvons. It's really important that we meditate in the scripture, you know, wherever we meet. Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1. Ézéchiel, chapter 37, verse 1. Le thème de mon message ce matin est ceci. Dieu adresse le message de Dieu au peuple d'Israël à travers Ézéchiel. The message from this morning is this: the Lord speaks to the people of Israel through Ezekiel. Amen. Amen. Dieu a toujours besoin d'un être humain pour l'utiliser et communiquer avec son peuple. God is always in need of a human being to use him and communicate with his people. Je dis bien que Dieu a besoin des ressources humaines. Because God needs human resources. Pour que le message de Dieu puisse atteindre le monde entier, il faut un volontaire, il faut une personne. For the word of God to reach the whole world, it needs human beings. Alors, Ézéchiel ici, on le dit qu'il était, c'est un prophète. Ézéchiel here, the book that says that he was a prophet. Et son papa était un prêtre. And his dad was a preacher. Et Dieu l'utilise pour communiquer avec le monde en son temps. And God used him to communicate with his nation at that time. Dans ce verset que nous allons lire, nous aurons à avoir trois points. In this verse that we're going to read, we're going to highlight three points. Nous allons parler de la relation d'Ézéchiel avec Dieu et la relation de tous les serviteurs de Dieu avec Dieu. We're going to talk about the relationship of Ezekiel with God and the relation with Je dis bien que la relation d'Ézéchiel avec Dieu et la relation de tous les serviteurs de Dieu avec Dieu. Okay. The relationship of Ezekiel with God, the relationship of all the servants of God with God. Deuxième point, nous allons voir une question profonde que Dieu a posée à Ézéchiel. The second will be a really deep question. Deep question that God, yeah. God asked to Ézéchiel. Nous allons étudier ce point. We're going to study that. Parce que c'était une question importante. Because it was a really important question. Et très profonde pour Ézéchiel. And really deep for Ézéchiel. Et troisième point. The third point. Nous allons trouver les deux endroits où se trouvent les os secs dans le monde.
We are going to find the two areas where we can recover the dry bones in the world. Il y a actuellement deux places où se trouvent les zones secs. There's actually two places where we can find the dry bones. Donc allons au verset 1 et on va voir l'histoire là. So let's start with verse 1 and then we're going to study the story. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of the valley. Ici, Ézéchiel a eu une vision. Here, Ézéchiel had a vision. C'est une vision qu'il a eu. It was a vision that he had. L'a utilisé, je ne sais pas s'il dormait à n'importe quel moment. C'était une vision. God used him. I'm not sure if he was sleeping. I don't know when exactly, but God used him. Et Ézéchiel témoigna en disant que la main de l'Éternel était sur lui. And Ezekiel's testimony here saying that the hand of the Lord was upon him. Je vous remercie, mon frère. Thank you. Que Dieu vous bénisse. Thank you, my brother. La main de l'Éternel était sur moi. The hand of the Lord was upon me. Je voudrais dire à tout un chacun de nous. I want to say to all, each one of us. En tant qu'être humain. As a human being, en tant que chrétien, as a Christian, nous devons retenir que la main de l'Éternel est sur nous. We have to remember that the hand of the Lord is upon us. Alléluia. Amen. N'importe quel lieu où vous trouvez, no matter where you find yourself, vous devez avoir cette foi-là. You have to have that faith. Que la main de l'Éternel est sur toi. That the hand of the Lord is upon you. Ézéchiel a bien confirmé cela. Ezekiel really confirmed that. Et puisque la main de l'Éternel est sur lui. And because the hand of the Lord is upon him. C'est une bonne relation entre Dieu et Ézéchiel. It's a good relationship between God and Ezekiel. Ce n'est pour rien que Dieu a mis sa main sur lui. It's not by a mistake that God put his hand on. Ézéchiel croyait en Dieu. Ezekiel believed in God. Et Dieu a confiance en lui. And God had faith in him. Alors il doit mettre sa main sur lui. So then he's going to put his hand. Si nous sommes des chrétiens, if we are Christians, et nous avons confié notre vie à Dieu, and then we gave our life to God, la main de l'Éternel est sur nous. The hand of God. Et si la main de l'Éternel est sur nous, and if the hand of God is upon us, quelle main peut nous arracher des mains de Dieu? What hand can detach us from the hand of God? Je ne crois pas. Alors, alléluia. Moi, je suis un enfant gâté. I am a spoiled child. De voir que la main de l'Éternel est sur moi. To see that the hand of God is upon me. Quelles qu'en soient les circonstances parmi lesquelles je passe. No matter the circumstances where I'm going through. Je retiens que la main de l'Éternel est sur moi. I keep remind myself that the hand of the Lord is upon me. Et pourquoi Dieu a mis sa main sur Ézéchiel? And why did God put his hand upon Ézéchiel? Il voudrait l'utiliser. He wanted to use it. Il dit. And he said. La main de l'Éternel est sur moi. The hand of the Lord is upon me. Et en esprit, il m'a transporté dans une vallée, au milieu d'une vallée. And by spirit, he transported me. The valley. Il se trouve dans une vallée. And he found himself in the valley. Seul. Alone. Je ne sais pas si Ezekiel était marié, il avait une famille. I'm not sure. Mais il se trouve dans une vallée seul. I'm not sure if Ezekiel was married or had a family, but he found himself in the valley. Je vous invite d'aller dans cette histoire en pensée. I invite you to go to leave that story. Vous êtes dans votre maison habituelle. You are in the house, in your house. Et un jour, vous êtes enlevé de votre maison et vous vous trouvez dans une vallée. And one day you are removed from your home and then you find yourself in the valley. Ezekiel s'est trouvé dans cette situation. Ezekiel found himself in that situation. Et qu'est-ce qu'il aperçoit? And what did he find out? Autour de lui. Around him, surrounding him. Il y avait les eaux. He was surrounded by dry bones. Des gens qui sont morts. People that died. Qui sont pourris. Rotted and bones alone. Yep. Il se voit au milieu de ses ossements. And he found himself, surrounded by those bones. Mettons-nous à la place d'Ézéchiel. But let's put ourselves in Ezekiel's shoes. C'est un lieu qui n'est pas bon à voir. It's an area that is not good to see. C'est un lieu qui donne la peur.
It's an area that invites fear. Pourquoi Dieu m'amène parmi les ossements? But why is God bringing me, among dry bones? Et il était en train de se poser des questions. And he was asking himself that the questions. Pourquoi? Why? Et il était en train de faire le tour. And he was, going back and forth. Je voudrais que ce soit un message analytique. I want this to be an analytic message. Il a dit que ces ossements-là sont les symboles du peuple d'Israël. And he said those dry bones are the symbol of the people of Israel. Les Israélites que Dieu a choisi. The Israel that God chose. Une nation choisie par Dieu. A chosen nation by God. Qui devait l'adorer, qui devait être un instrument dans la main de Dieu. That was supposed to adore and that was supposed to be an instrument. Le peuple d'Israël a péché. The people of Israel sinned. Les gens ont tourné dos. The people turned their back to Ils sont devenus des infidèles. They became infidel. Alors Dieu les compare à des os secs. So God is comparing them to dry bones. Donc si vous êtes chrétien, so if you are Christian, et vous avez abandonné la foi, and you abandon your faith, et tu ne pries plus, and you don't pray, tu ne lis plus la Bible, you don't read the Bible, tu ne vas plus à l'église, you don't go to church, tu es mort spirituellement, you're spiritually dead, tu deviens des os secs. And you become those dry bones. C'est ce que Dieu voudrait dire aux Israélites à travers Ézéchiel. That's what God wanted to tell Israel through Ezekiel. Alors, Dieu l'a transporté dans ce milieu-là. So God transported him to the pour lui montrer la situation d'Israël. To show him the situation of comment Israël est devenu. How Israel has become. Madame, Monsieur. My brother and sister. Nous sommes des Ézéchiel aujourd'hui. We are Ezekiel of today. Je voudrais nous poser cette question. I would like to ask ourselves this question. La main de l'Éternel est-il sur vous? Is the hand of the Lord upon you? Dieu s'est-il révélé à vous? Is God, has God revealed Dieu t'a-t-il une fois donné une mission à accomplir? Has God given you a mission to accomplish? Je crois que le pasteur et sa femme, le pasteur de cette église et sa femme, the pastor of this church and his wife, ont reçu une mission particulière. They received a particular mission. J'ai reçu une mission particulière. I received a particular mission. De prêcher l'évangile. To preach the gospel. Comme il avait choisi Ézéchiel d'être prophète. Like Ezekiel was chosen to be a prophet. C'est un ministère. Dieu l'a donné un ministère. It's a ministry. God gave a J'ai vu le frère en train de chanter. And then the brother that was singing here today. Et vous, mes sœurs et frères. And you, my brothers and sisters. Vous êtes aussi des Ézéchiel. You are also Ezekiel. Il faut commencer par sentir la main de Dieu sur vous. You have to start by feeling the hand of God on you. Vous avez assez de place. You have a lot of space here. Pour que cette église soit pleine un jour. So that this church will be full and alive. Je crois que Dieu ne m'a pas envoyé dans cette église pour rien. I think that God didn't bring me in this church by mistake. À la fin, je vais prophétiser contre cette ville. At the end, I'm going to prophesy against for this town. Écoutez, dans Ephésiens 4:11. In Ephesians 4:11, Dieu a choisi à donner à l'église un don. God gave the church a gift. Les pasteurs. The pastor. Les prophètes. The prophets. Les évangélistes. The evangelists. Et les docteurs en théologie. Doctors intelligent. C'est ce qui se trouve dans Ephésiens 4:11. That's what you have in Ephesians 4:11. Pour le bien du peuple. For the good of the people. Amen. Alléluia. Amen. Le bien de son peuple. For the good of his people. Ces gens-là sont comme Ézéchiel aujourd'hui. Ces gens-là sont comme Ézéchiel aujourd'hui. Those people are like Ezekiel today. Que voyons-nous? What do we see? Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? We have the pastors, the evangelists, the doctors. What do you see around us? Dans les cinq continents aujourd'hui, in the fifth continent, all the fifth continent today, on trouve des ossements secs. We found dry bones. Le monde est mort. The world is dead. Le monde est mort spirituellement. The world, l'abandon, is spiritually dead. L'abandon de Dieu est une mort. The abandoning God is a death. À la place de la vie aujourd'hui, in place of life, on regrette, on voit, on est, l'homme est chagriné. The man is chagriné. Bon, le chagrin, depression. Depression. The man is depressed. Parce que
dans notre monde aujourd'hui, ce que nous voyons dans les cinq continents. That because in the, what we see in five continents in this world, il y a l'injustice. We have injustice. Celui qui est injuste est mort spirituellement. Whoever is just is dying. Injustice dying. Il y a le meurtre. Le meurtre dans le monde aujourd'hui. We have the murders in the world. Et celui qui est meurtrier est mort. And whoever is committed murder is dead. Il y a de la drogue qui dérange la vie des gens aujourd'hui. And we have drugs that is in people's lives. Les drogués sont des ossements secs. You know, drug addicts are dry bones. Il y a des guerres aujourd'hui dans notre monde. There are war around us in this world. Il y a trop de l'immoralité dans notre monde. There's too many immorality. Il y a trop de l'individualisme dans notre monde. Too many individuality in this world. L'incrédulité. Too many incrédulité. Les irréligieux, but ceux qui ne veulent pas adorer Dieu n'aiment pas la religion. Irreligious, you know, les gens aiment le plaisir. People love pleasure. Et ils rejettent le bonheur. And they reject the well-being. Les gens s'attachent au péché. People are, you know, attach themselves. Ils s'attachent au mal. They attach themselves to the et ils rejettent le bien. And then they reject the good. Notre monde est un monde mort et sec. Our world that we live in is a world dry. Ça, c'est très important. It's really important. Je crois que nous sommes en train de voir ça aux États-Unis. I think we are living that here in America. Nous voyons ça en Afrique. We've seen that in nous voyons ça dans les sept continents. We see that in all five continents. Et nous suivons à la télévision tout ce qui se passe dans le monde. And then we can see it on TV, whatever is happening in the le world. Le monde est devenu un petit cercle. Vous pouvez faire votre main comme ça et voir tout ce qui se passe là-dedans. The world now is just a little small circle. You can just, you know. Le péché est accru. The sin is soaring. C'est ce que nous sommes en train de voir. That's what we see. Et l'homme se pose parfois des questions. And then we ask ourselves questions at times. Pourquoi ce monde? Why this world? Qu'est-ce qu'il y a? What's going on? Et ceux qui n'ont pas de réponse? And those who don't have answers. Ils se suicident. They commit suicide. Ils se donnent à la mort. They kill themselves. Ils ne comprennent pas le sens de la vie. They don't understand the way of life. Alors, madame, monsieur. My brothers and sisters. Alors, Dieu, verset 3. Let's go on verse 3. Une question profonde que Dieu a adressée à Ézéchiel. A really deep question that God asked Ezekiel. Ces os pourront-ils revivre encore? Pourront-ils revivre? Verset 3. Le chapitre 37, verset 3. Okay. Listen, Solomon, can these bones live? Est-ce que ces os-là vont revivre? Can these bones live? Ça, c'est une question très, très profonde. That's a really, really deep question. Dieu pose la question à Ézéchiel. God asks a question to Ezekiel. Ces os que vous êtes en train de voir. Those bones that you see. On dit qu'ils sont nombreux. There were plenty of. Ça veut dire que ceux qui sont morts sont nombreux. The people that were dead, they were Dieu plenty of. Pose la question à Ézéchiel. But God asks a question to Ezekiel. Ces os là que tu vois là. Those bones that you see. Peuvent-ils revivre? Could they come back to life? Ézéchiel a commencé par réfléchir. Ézéchiel started thinking about it. Il dit, Seigneur. He said, Lord. C'est toi qui sais là. He said, you only know. Alléluia. Yeah. C'est toi qui sais. You only know. Moi, je ne sais pas. I don't know. Parce que Ézéchiel ne sait pas qu'est-ce qui a causé la mort de ces gens-là. Because Ezekiel didn't know what caused the death of these people. Il ne connaît pas. No. Mais Dieu connaît. But God knows. Ce qui a entraîné leur mort. He knows what happened. You know, jusqu'à ils soient pourris et les autres sont là-bas. So they were squalling and the bone remained. Et il a dit Seigneur. And he said, Lord. C'est toi qui sais. You only know. Amen. Amen. De nos jours, madame, monsieur. To this day, my brother and sister. Ézéchiel ne connaissait pas qu'est-ce qui a causé la mort de ces gens. Ezekiel didn't know what caused the death of these people. In notre monde aujourd'hui, nous connaissons la cause de la mort du monde. But in this world today, we know the cause of the death. Le monde a été empoisonné par le péché. The world is poisoned by sin. Le monde a été intoxiqué, empoisonné. The world was intoxicated,
Ezekiel a vu seulement les ossements, il ne sait pas qu'est-ce qui a causé leur mort. But Ezekiel, all he saw was just the dry bones. He doesn't know what. Nous sommes en train de voir les cinq continents aujourd'hui. But today we've seen all five continents. Et nous savons que c'est le péché qui est la cause du recul de l'abandon de Dieu. And we know that it's the sin that is the cause of the abandon of God. Nous allons poser cette question. Je me pose cette question. And then I ask myself this question. Les cinq continents. The five continents. Le rejet de Dieu, l'abandon de Dieu. Rejecting God. L'attachement au péché. You know, attaching ourselves to sin. Est-ce que ces cinq continents-là peuvent revenir au salut? Can those five continents can come back to salvation? Est-ce qu'un jour on va venir à Madison et on va dire que la ville est pleine de membres dans toutes les églises? Amen. Are we going to come back here one day in Madison and say that the church is full of members? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Is it possible? Rejette le mal et s'attache au bien encore. Is it possible for the world to reject the wrongdoing and attach themselves? Si on se pose cette question, if you ask us that question, nous allons répondre comme Ézéchiel l'a dit. We will answer like Ezekiel said. L'Éternel, the Lord. C'est toi qui sais. Only you know. Alléluia. Amen. Dieu sait qu'il y a 7 milliards d'hommes dans le monde. Lord knows that there's 7 billion people in the world. 7 milliards. 7 million. 7 milliards de nos jours. 7 billion to these days. Et Dieu le sait. And God knows. Et Dieu connaît. And He knows. Il connaît qu'il y a 7 milliards d'âmes sur la terre. He knows that there's 7 billion souls on earth. Va-t-il laisser ces gens aller en enfer un jour? Is he going to just leave them go to hell one day? Parce qu'il a dit qu'il va revenir. Because he said he will come. Et ceux qui vont l'adorer. And those who adore him. Il prépare la place pour eux. He will prepare a place for them. Il reviendra pour les chercher. He will come back to find to get them. Est-ce que les cinq continents trouveront-ils le salut un jour? Would those five come and recover the salvation one day? Et quand moi je reçois cette question, and when I receive that question, je dis oui. I say yes. Si les cinq continents, if the five continents, va trouver le salut, recover the salvation, ça dépend de moi, le chrétien. It will depend on me as Christian. Ça dépend de vous, le chrétien. It depends on you as Christian. Ça dépend de nous qui sommes proches de Jésus. It depends on us that are close to Jesus. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Dieu connaît chacun de nous tous. God knows each one of us. Et soyez-en sûrs que il a le cahier de chaque pour tout un chacun de nous. And rest assured that he's got a book of each one of us. Verset 4. Verse 4. Comme il a répondu, l'Éternel, c'est toi qui sais. Like the answer, sovereign Lord, you alone know. Le verset 4, Dieu lui a confié une tâche. Il a confié une charge à Ézéchiel. So in verse 4, God gave him a task to Ézéchiel. Là-bas, on me dit, puis il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux, le verset 4. And then he said to me, prophesy to these bones. Prophétise. Prophesy. Alléluia. Amen. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. And say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. And this is what the sovereign Lord said to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. Ça, c'est une tâche que Dieu a donnée à Ézéchiel. That's the task that God gave to Ezekiel. Là encore, rentrons un peu en analyse. Now, let's get back to an analysis. Allons dans la vallée avec Ézéchiel. Let's go back in the valley with Ezekiel. Observons les ossements secs. I'm going to say, okay, there's a dry bone. Et il est seul là-bas parmi ces ossements. And he's standing there alone among those, with those... Avec une peur. With fear. Et Dieu lui dit... And God tells him... Parle à ces eaux-là. He said, talk to those bones. Les eaux-là n'ont pas d'oreilles pour entendre. Those bones, they don't have ears to hear. Comment il va commencer par parler à des ossements? How is he going to start, you know, speaking to them? Si quelqu'un se cachait ailleurs, il voyait Ézéchiel. If someone was hiding somewhere, then il dira que Ézéchiel a perdu la tête. He would tell you, say, oh, he's losing his
mind. Comment ils savaient parmi les ossements des squelettes et ils commencent par parler ça. How can you just stand, above the dry bones and then start speaking? Mais Dieu lui a dit de le faire. But God told him to do it. Il n'est pas fou. He wasn't crazy. Il a accepté, il a obéi. He accepted and then he obeyed. Si Dieu nous a créé, if God created us, et il veut nous utiliser, and he wanted to use us, nous allons nous abandonner entre les mains. And we have to throw ourselves to an nous n'avons pas à critiquer, à discuter avec Dieu. We don't have to criticize or discuss. Ezekiel a bien compris cela. And I think Ezekiel really understood. Et il a dit, je ne suis pas fou. And he said, I'm not crazy. L'Esprit de Dieu me dit de prophétiser. The Spirit of God is telling me to prophesy. Et il a commencé par prophétiser. And then he started by prophesying. Alléluia. Il faut faire ce que Dieu dit. You have to do what God asks you to do. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. If God asks you to do something, parce que la main de l'Éternel est sur Ézéchiel. Because the hand of the Lord is upon la présence de Dieu est avec Ézéchiel. The presence of the God is with Ezekiel. Et il ne doit pas avoir peur ni avoir les doutes. And he shouldn't fear all doubt. Il a exécuté. And he did what God asked him to do. L'Éternel lui dit, the Lord says, ces ossements que tu vois là, those dry bones that you see, dis-leur, tell them, écoutez la parole de Dieu. Listen to the word of God. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très importante. The word of God is really important. Elle est la lumière pour nous. It's the light for us. La parole de Dieu est le chemin pour nous. The word of God is the way for us. Et soyez sûrs que les êtres humains, and rest assured that la Bible nous a dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. The Bible tells that we are travelers of the world. Nous sommes des étrangers. We are foreign on earth. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider. We are in need of the word of God. Un jour nous quitterons la terre. One day we will leave this earth. Et nous irons à notre Créateur. And then we will go to our Creator. Alors, le Seigneur Jésus so, a utilisé Ézéchiel ici. So the Lord Jesus uses it à travers la parole. Through the word. Une fois encore, il dit, Osman, écoutez la parole. Then when he says, dry bones, listen to the word. Je vais mettre un esprit en vous. I will put the spirit in you. Et vous allez revivre encore. And you will come to life. Alléluia. Alléluia. Si vous étiez dans un problème. If you were facing problems. C'est la maladie. Was in sickness. Vous avez perdu l'espoir. You have lost faith. C'est le manque du travail. You are, you are unemployed. C'est la stérilité. You can't bear children. C'est le problème de foyer. It's, you have a relationship. N'importe quelle situation qui vous arrive dans votre vie. No matter what situation you face in life. La parole de Dieu est là. The word of God is there. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est là. The word of God is there. Ça dépasse la philosophie du monde. Above the mathematics. It's above mathematics. Toutes les connaissances du monde. All knowledge of the word. Ne peut être comparé à la parole de Dieu. Cannot be compared to the word of God. La parole de Dieu. The word of God. Peut faire revivre ce qui est mort. Can revive what is with the. Rappelez-vous de Lazare. Rappelez-vous de Lazare. Yep. Dans la Bible. Yes. Lazare est mort. Lazare is dead. Lazare is dead. On l'a enterré. And then they buried him. Quatrième jour, le Seigneur Jésus est là. The fourth day, the Lord Jesus is there. Et il a dit, amenez-moi au tombeau. And then he said, bring me to the tomb. Oh, Marie m'a dit, si tu étais là ici, notre frère n'allait pas mourir. And then they said, well, if you were here, my brother would die. Et Jésus dit. And Jesus said, il sera ressuscité. He will be resurrected. Marie dit, oh, nous savons que après que tu reviendras, les morts en Christ ressusciteront. Well, Mary said, we know that after you come back, the world will. Elle ne sait pas que Dieu, Jésus est en train de parler de la résurrection de maintenant. She didn't know that. Mary didn't know that Jesus was talking about the resurrection of today. Now. Amenez-moi là où vous l'avez mis. Où vous l'avez mis? So tell me where you buried him. And vous savez, si vous lisez l'histoire, and you know if you read the story, les gens se sont moqués de Jésus. People mock Jesus. Ils disaient que Lazare est ton ami. Can you say Lazare was your? Il est malade. On a envoyé t'appeler et tu n'es pas venu. And then he was sick and then they called for you and you didn't. Il est mort. On a enterré. Maintenant tu arrives et tu pleures. And then now he's dead and now you come in and cry. On se moquait de lui. They mock him. Et il dit qu'on va le montrer. Si on l'a montré le lieu où on l'a enterré, il va faire quoi? And then they say, well, say, show us the tomb. If you show the tomb, what are you going to do? Les gens se moquent de Dieu. People just mock them. Ils se moquent des pasteurs. They mock the pastors.
Ils ne croient pas à la parole de Dieu. They didn't believe to the Mais quand Jésus était arrivé là, when Jesus came, il a dit ôtez la pierre. He said, remove the il a levé les mains vers le ciel. He raised his hands to the il dit Père. And he said, si ce n'était pas à cause de ces gens là, if it wasn't for those people, je n'allais même pas prier. I wouldn't even pray. Mais à cause de, but because of them, je vais dire quelque chose. I will say something. Père, Father. Que Lazare sorte du tombeau. Lazare et il est sorti. And he rose. Alléluia. Amen. Et ils étaient étonnés. And they were stunned. C'est ça. Madame, Monsieur. My brothers and sisters. Dieu a parlé à Ézéchiel. God. Ces ossements-là peuvent retrouver la vie. God spoke to Ezekiel and those dry bones. That those dry bones could come back to life. J'étais dans une ville. One day I was in this town. Et les pasteurs sont venus pour une étude. And then the pastor came for a study. L'esprit me dit, sors dehors. The spirit told me, go outside. Il y a une grande route internationale. It was a big highway out on the road. Je ne sais pas pourquoi, comme Dieu peut nous parler, peut nous transporter là où il veut. You know, I didn't know why, but God could just transport away when he wanted. J'ai laissé les collègues dans la chapelle et je suis sorti. So I left my colleague in the chapel. And j'ai pris ma main, j'ai mis sur le grillage concernant de la clôture. And then I just crossed my hands and then laid on the fence. J'ai vu une femme qui porte un enfant mort. And I saw a lady that was carrying a dead child. L'enfant a 10 ans. The child was 10 years old. Et elle a marché pendant 11 kilomètres. And then she le mort à son père. And then she traveled 11 kilometers walking to bring the dead to the child. Et c'est l'enfant d'un militaire. And it was a child of a soldier. J'ai dit, madame. And I said, ma'am. Viens. Come. Amène le cadavre. Bring the Elle dit, non, c'est l'enfant d'un militaire, il est mort. He said, no, it's a child of a soldier. Il sera ressuscité. And I said, la sera ressuscité. I said, he will rise. Mais pourquoi tu dis ça? And then she said, well, why do you say je that? Dis, j'ai Dieu ici. And I said, I have God. Dieu est puissant, il est là. God is powerful and he's here. J'ai aidé la femme, elle est venue. And I helped the lady. J'ai pris l'enfant cadavre. I took the cadaver. Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? Do you believe what I'm saying? I'm telling you. Le Seigneur est là encore ici, il attend ce que je vous dis. The Lord is here and he's here. J'ai pris l'enfant dans mes mains. I took the child. Je suis venu au pupitre. Là où je m'arrête pour prêcher. And I came in the altar. J'ai appelé les autres pasteurs. And I called for the other pastors. Je dis, vous voyez ici là? I say, see here. Cette balle, those bands. Chaque dimanche, les gens sont pleins. All you know, each Sunday is full. Je prêche à des milliers, mille personnes. I preach to 1,000. Et je leur dis que Dieu est le tout puissant. And I tell them that God is the Almighty. Que Dieu peut faire des miracles. That God can do miracles. Alors cet enfant là. So that child. Je voudrais que vous les pasteurs. I want you the pastor. Que vous sachiez que Dieu ne change pas. I want you the pastor to know that God. Il va ressusciter cet enfant. Est-ce que vous croyez? He was resurrect this child. Nous avons laissé l'enfant par terre. So we laid the child on la mère a les yeux fixés sur nous. The mom was watching us. Et nous sommes en train de prier. And then we were just at praying. On n'a même pas touché l'enfant. We did not even touch the child. Et soudain. And suddenly. Soudain. Suddenly. L'enfant a commencé par tousser. The child started to cough. Alléluia. Nous avons glorifié le nom du Seigneur. And then we glorify our name. Les gens sont venus à flot. The people came. Nous l'avons amené à l'hôpital. We brought him to be taken. Nous avons dit prenez l'argent. We said take the money. Aidez l'enfant à part des analyses. Help that children with all. Gardez-le pendant 3 jours. And then they kept him for 3 days. Et faites les recherches possibles. And do all kind of research that you après 3 jours. After 3 days. Le docteur dit on n'a rien trouvé dans la vie de cet enfant. Il n'est même pas malade. And then the doctor said, we found nothing to love for this kid. He's not even sick. Alleluia. Amen. Le militaire est venu avec sa famille se convertir. The soldier came with his family and gave his life to the Lord. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous allez revivre. I will put an spirit in you and then you will come back to life. La Bible a dit, le verset 6 ou 7, que Ézéchiel a exécuté les ordres de Dieu. The Bible says, verse 6 to 7, that Ezekiel, you know, executed the command of God. Yeah. Il a exécuté. He executed the command of God. Chers sœurs et frères dans le Seigneur. My brother, sister, Dieu nous donne des ordres. God gave us orders. Dans nos pensées. In our thinking. À travers les prêches. Through the preaching. Et vous avez la grâce ici en Amérique.
and then you have a great share in America. Vous suivez les prédicateurs dans les télévisions. You can follow pastors and television. Vous avez la facilité d'avoir la Bible chacun. It's really easy to, for each of you to get a Bible. Dans mon pays, tout le monde ne peut pas payer la Bible. In my country, not everyone can afford a Bible. Et d'autres ne peuvent pas lire. Some can't even live because they didn't go to school. Mais ce que je vous dis ici, but what I'm telling you here, ça c'est très important de retenir cela. It's really important to remember que notre Dieu, that our God, il n'a pas changé. He hasn't changed. Il ne va pas en voyage. He doesn't go to vacation. He doesn't travel. Il ne se fatigue pas. He doesn't get tired. Dieu n'a jamais la dépression. He doesn't get depressed. Et il n'oublie personne. And he doesn't forget the depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. From the creation of the world on, Dieu demeure le seul Dieu. God is the only God. Il ne change jamais. He never changes. Alléluia. Je vais remettre l'esprit et vous allez revivre. I will, you know, breathe the spirit of you and then you will come back to life. Quand il a exécuté les ordres. When he did the command of the Lord. Alléluia. Alléluia. Les autres là ont commencé par se rapprocher. Those bones started to attach it. Il dit qu'il a eu un mouvement. He said there was a et il y a un bruit. And there was a noise. Le lieu où Ezekiel était silencieux. The area where Ezekiel was so quiet. Il a entendu un bruit. And then he heard a noise. Les os ont commencé par mouvoir. The bones started to move. Et ils ont commencé par se rapprocher les uns les autres. They started to link in devant les yeux d'Ezekiel. In front of Ezekiel's eyes. Il était en train de voir. And he was witnessing. Mais c'est quel cinéma? And he was what quel spectacle? What a theater? Quelles sont des choses étonnantes? Il était en train de contempler la gloire de Dieu. And he was contemplating the glory of God. Yes. Ce qu'il n'a jamais vu. It was never seen. Il est en train de voir cela. And he was seeing it in his. Seul Dieu peut le faire. Only God can do it. Yes. Quand il a accepté, il a exécuté les ordres. When he accepted and executed the Dieu orders, a donné le mouvement aux os. God gave the bone. La Bible nous dit. The Bible says que ces os se sont retrouvés ensemble et devenus une squelette. The fact that those bones linked together and became a skeleton. Il n'avait pas la chair. There was no flesh. Dieu a parlé, la chair est venue. God spoke and then the flesh came. Et ils sont là. And then they were there. Et Dieu a dit que les nerfs arrivent. And then God said that the tendons. Les nerfs sont arrivés. The tendons started to form. Alléluia. Alléluia. Les nerfs sont arrivés. The tendons started to form. Et maintenant les gens, les os là sont devenus des hommes. And then those bones became men. Mais inanime. Inanime. Veut dire no life. No life. Yeah. Dead people there. Yeah. Bodies. Yep. They have no breath. Yep. Il n'y a pas la respiration. No breath. C'est comme les toys là. Vous appelez ça toys là-bas. Les poupées. It was like toys. You know? Yes. Yeah. Ezekiel était en train de voir. Ezekiel was witnessing. Et Dieu lui dit. And God told him. Encore. Again. Talk. Alléluia. Invite l'esprit. He said, invite the spirit. Alléluia. Alléluia. Quand je prêche, quand je vois la gloire de Dieu, je suis fier. When I see the glory of God, when I'm preaching, I'm really honored. Et puis je remercie Dieu d'être né de nouveau. And I thank the Lord for being born again. Le verset 8. In verse 8. Je regardais et il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau. Les couvrir par-dessus. Alléluia. In verse 8, I looked, and the tendon and flesh appeared on them, and skin covered them. Mais il n'avait point un œil l'esprit. But there was no breath. Il me dit, le verset 9, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur les morts, et il revit. Then he said to me in verse 9, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord said, come from the fourth wind, O breath, and breathe into this slain. Verset selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. So in the verse 10,
So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. Then they came alive and stood up on their feet, a vast army. Alleluia. Amen. Saint. En lisant cette parole, when you read those words, chrétien, Christian, vous êtes branché à Dieu. You are connected to God. Vous savez, le truc, vous avez le piano là. Si vous ne branchez pas ça à l'électricité, vous ne pouvez pas jouer. You know, think about this, that keyboard. If you don't plug it into the electricity, you won't. Le chrétien qui se confie à Dieu. The Christian who gives his life. Qui veut écouter la parole de Dieu. That listen to the word of God. Qui veut exécuter les ordres de Dieu. That want to do what God asks him to do. Celui-là va donner des sons. Though that Christian will give, you know, will give songs. Celui-là sera utile. That Christian will be mais quand vous débranchez, but when you le piano, the keyboard, vous allez toucher vos mains là-bas, il n'aura aucun bruit. You will try to play, you know, there will be no noise. Madame, Monsieur, my brother and sister, la Bible nous dit, the Bible says, quand Ézéchiel a prophétisé, when Ézéchiel prophesied, l'esprit est venu des quatre vents. The spirit came from four winds. Four winds. Ça veut dire quoi? What does it mean? On parle des quatre coins du monde. We talk about the four winds of the world. Dieu est venu. God came. Pour que les quatre coins du monde s'unissent et forment un seul corps. God came so that the four corners of the world to be united and become one. L'église d'aujourd'hui, si nous voulons que notre monde revive. In the church of today, if you want a world to be, si nous voulons que les gens abandonnent le péché et tournent vers Dieu, if you want people to abandon the sin, que les gens adorent Dieu comme Dieu le veut, that the people adore Lord like God wants them to do, l'église doit être réunie. The church needs to be united. Je suis très fier de mon pasteur ici. I'm really qui dit, happy for my pastor. Qu'il a ouvert la porte pour cette ville-là. Let's say he opened the door for les étudiants de toutes les nationalités. The student of all nationalities. Les chrétiens de toutes les nationalités. Christians of all nationalities. Ils peuvent venir ensemble. They can come together. Et adorer Dieu. And adore Lord. L'union. Union. L'unité. United. Amen. Au moment où le monde se déchire, at the time where the les politiciens se déchirent en partie, politicians are just fighting among each other, et en train de lutter pour régner sur cette terre. They are fighting to reign in this earth. Nous n'allons pas lutter en tant que lui. We are not going to fight as the church. Nous avons un seul Dieu. We have only one God. Dieu le Père. God the Son. Dieu le Fils. Dieu le Son. Dieu le Saint-Esprit. God the Holy Spirit. Et créateur de tout être humain. And then the maker of all the universe. Nous devons être unis. We have to be united. L'union fait la force. Union is power. Si nous avons laissé le tribalisme, if we have abandoned the tribalism, les divisions, divisions, le mépris les uns les autres, you know, et nous venons ensemble, and then we come together, le Seigneur agira. God will act. Alléluia. Amen. Le Seigneur agit. God will act. Le Seigneur agit partout. God will act everywhere. Maintenant. Quand l'esprit là est venu, so when that spirit came, ces êtres unanimes sont devenus vivants. Those united soul came to life. S'il vous plaît, mon pasteur. Cette partie là. My pastor. That part. Écoutez ça bien. Listen to it carefully. Quand ils sont devenus vivants, when they came to life, Dieu dit que c'est une armée forte. God said it was a powerful army. C'est une grande armée. It was a big army. Un bataillon très nombreux. It was a big army. C'est cette armée-là qui était unanime dans la vallée. So that is that army that was united in the valley. Et l'ennemi est en train de gagner. And then les Israélites. The enemy was, you know, keeping the Israelites. Yeah. Yes, right. L'armée-là qui est morte là. And then he said that Israel est gagné. He said that the army there was the win for the Israelites. Et quand l'armée là est là, when the army was there, c'est une armée divine. It was a divine army. Nous avons une armée divine. We have a divine army. Alléluia. Yeah. Nous avons une armée. We have an army qui nous donne la sécurité. That gives us security. Quand nous sommes dans nos voitures, when we are in quand our nous sommes dans nos maisons, when we are in partout our homes, où nous nous trouvons, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. The angel of the Eternal camp around whoever fears the Lord. Et maintenant, c'était une grande armée. And then it was a big army. Alléluia. Amen. Israël. Israel. J'ai fait ça
pour que vous sachiez que je suis l'Éternel. I did that so that you know that I am the Lord. Amen. Amen. Le Seigneur montre sa force. The Lord shows power. Aujourd'hui, today, les gens sont morts. People, je crois. I believe que le jour viendra, that the day will come, où la prophétie va sortir, that the prophecy will come, les prophéties sortiront, the prophecies will pour que l'Amérique, so that America devienne une armée forte, becomes a powerful army, pour que l'Afrique devienne une armée forte, so that pour que l'Inde devienne une armée forte, so that India becomes a powerful army, pour que les cinq continents deviennent une armée forte, so that the five continents become a powerful army, qui va combattre contre le diable et ses attraits, to combat to fight against the devil, le diable qui sème partout le péché, the devil who sowed all, you know, the sin all over the place, qui amène la division, that brings divisions, et qui amène le meurtre, that brings, qui fait que les gens sont cinglés, that ils prennent de la drogue, crazy, et ils n'ont pas pitié les uns les autres, and then so that they have no pity for each one of them. L'armée qui est en train de tuer les êtres humains dans le monde, the army that is killing the human beings in the world, des innocents en Israël, innocent in Israel, Gaza ou bien en Syrie et partout dans le monde. Gaza or Syria or everywhere in the world. Tout ce que nous sommes en train de voir. What everything that we're seeing. N'est pas une armée céleste. What is not, that's not a. Quand l'armée céleste va prendre le pouvoir. When the army of God will take the power. Il y aura la paix dans le monde. There will be peace in the world. Madame, Monsieur. My brother, Monsieur. Je termine le troisième point. I'll finish with the third point. Où se trouvent the dry bones today? Where can we find dry bones nowadays? What's up, Jim? Where are they? Ce n'est plus dans la vallée. It's not in the valley anymore. Les os secs ne sont pas dans la vallée seulement aujourd'hui. Those dry bones are not just in the valley nowadays. Les os secs se trouvent dans les montagnes. The dry bones reside in the mountains. Dans les plaines partout. Je veux dire dans les cinq continents. In all five continents. Vous me croyez? Do you believe me? Yes. Si vous me croyez ou pas, je crois. If you believe me or not, I believe. Et je sais que vous croyez. And I know that you believe. Parce que vous êtes les rachetés de Christ. Because you are the rachetés. Les ossements sont dans les cinq continents aujourd'hui. Those dry bones are in five continents today. Il n'y a pas un pays dans le monde où on dit les gens sont intègres. There is no country in the world but they say that. Quand vous arrivez là-bas, tout le monde est fidèle. That everybody is faithful. Il n'y a pas un péché. There's no sin. Il n'y a pas un pays. There's no such country. Dans tous les pays, il y a les bons hommes et les mauvais hommes. In any country, there's good people and bad people. Il y a les os secs partout dans le monde. There are dry bones everywhere in the world. Alors que dans Esaïe 42. And in Isaiah 42. Normalement, il y a même les ossements secs dans les églises aujourd'hui. Les os secs dans les églises. And then you can find even the dry bones in the church nowadays. Ça veut dire les gens qui sont convertis. That means people that qui appellent Seigneur, Seigneur. That you know, call the Lord, the Lord. Mais ne font pas la volonté de Dieu. But they don't do what the Lord asks them to do. L'église peut être 1000, 2000 personnes. The church can be 1,000, 2,000. Mais si vous n'êtes pas fidèle. But if you are not faithful. Votre vie ne signifie rien. It doesn't mean anything. Je nous confie à l'Éternel. You know, you need to give yourself. Deux ou trois réunis en mon nom, je suis là. You say one or two or three, without my name, I am there. Mille personnes ensemble, je suis là. A thousand at a time, I am there. Soyez fidèles. Be faithful. Parce que moi, l'Éternel, je suis fidèle. Because I, the Lord. Soyez saint. Moi, je suis saint. Be saint, because I am saint. Votre petit nombre là. This little small number. Si vous êtes fidèle. You are faithful. Si vous êtes saint, if you are saint, Dieu amènera les gens pour s'ajouter. God will bring people here. Alléluia. Amen. Dieu va amener les gens. God will bring people. Parce que la place est là pour eux. Because there is space for them. Il n'y a pas une raison que Dieu ne sauve les gens pour les amener. There's no reason why God couldn't save people to bring them. Dans Esaïe 42. In Isaiah 42. Le verset 6. Verse 6. Moi, l'Éternel, je vous ai appelé pour le salut. I, the Lord, have called you in the righteousness. Pour le salut. For the righteousness. Vous devez être saint. For the salvation. C'est pour ça que Dieu nous a appelé. That's why God called Jesus. C'est pour ça que Dieu a appelé Jésus. That's why God called Jesus. Il l'a envoyé dans le monde pour que le monde l'adore. He sent him to the world so that the world would que le monde soit saint.
so that the world would be saved. Pourquoi Jésus est venu dans That's why Jesus came to the world. Et c'est pourquoi nous nous sommes venus à l'église. That's why we are here in the church. Nous voulons être saints comme Dieu est saint. We want to be saint like God is saint. Je vous ai appelé pour le salut. I called you for the salvation. Et il dit, Amen. Je vous tiendrai par la main. And he said, I will hold you by hand. Hallelujah. Amen. I hold you by hand. I hold you by hand. As he told Ezekiel, my hand is upon you. Amen. In Isaiah 42, Amen. Verse 6, I called you for salvation. Amen. And I will hold you by my hand. Amen. Hallelujah. Amen. C'est pour ça qu'il nous a appelé. That's why he called us. Une fois encore. One more time. La main de l'Éternel est sur. The word of the hand of the Lord is on. Moi je suis très fier de voir cela. I am really happy to see. Et il dit, and he said, je vous ai appelé pour que vous soyez saints, que vous ayez le salut. Deuxièmement, pour que vous serviez d'alliance entre le peuple et moi. So he called you to be a saint and a salvation for the second time, so that you be a liaison between the people and me. Yes. Amen. Vous allez aller ouvrir les yeux des aveugles. You will go and open the eyes of the blind. Et de ceux qui sont sourds. And then people that the deaf. Le monde est aveugle aujourd'hui. The world now today is. Le monde ne voit pas la gloire de Dieu. The world doesn't see the glory of God. Quand la nuit sort, les étoiles. When the night comes and then with stars. On donne les explications scientifiques. We give them scientific explanation. Quand la mort, la mer est en train de mouvoir partout. When the sea moved all on donne les explications géographiques. Scientific explanation. Et on raconte. Et on met Dieu de côté. And then we put God aside. Les gens voient. The people see. Ils ne voient pas. But they don't see. Les gens entendent. But they listen. Ils n'entendent pas. But they don't ils rejettent celui qui a créé tout cela. So they reject whoever the person et ils donnent des illusions. And then they give themselves illusions. Madame, monsieur. My brother and sister. Mademoiselle, que vous êtes? Miss. Mrs. Jeune garçon que vous êtes. A young man. Marié que vous êtes. Married. Un adulte que vous êtes. Adult that you are. Vous avez une responsabilité. You have one responsibility. Dieu vous donne un cahier de charge. God gives you a book of. Amenez l'évangile à vos collègues dans vos écoles. Take the evangel to your job. Vos lieux de travail. To your work and your school. Je sais que ici c'est très difficile. I know that here is really difficult. Et vous n'êtes pas libre de parler comme vous voulez. And you're not free to speak as you wish. Et tout cela ne vient pas de Dieu. But all that doesn't come from God. Il devait avoir une libre conversation avec les uns les autres. There should be a free conversation among each other. Nous devons prier. We have to pray. Comme Ézéchiel a prié. Like Ezekiel prayed. Et vous allez voir. And you will see. Dieu va nous utiliser pour que les gens voient. God will use us so people will see. Pour que les gens entendent. So people can hear. Et qu'ils reviennent à la vie. God, you will come back to life. Alléluia. Amen. Trop parler, c'est pas bon aussi. Too much talking is not good. It's not good sometimes. Ce que je voudrais qu'on sache, nous allons nous tenir. So let's all stand. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? I don't know what you're going through right now. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup de choses. You know, I saw a lot of things. Le dimanche, j'ai prêché dans mon église et j'ai dit, l'autre dimanche, je vais voyager. So the last past Sunday, I preached my church and I told them I'm going to travel. Et quand nous étions en train de prier, and while we were praying, l'esprit m'a révélé qu'il y avait une dame qui souffrait des maux du cœur. So the spirit told me there was a lady that was suffering from a heart problem. On était au moins 900 personnes dans l'église. It was about 900 people in the attendance. Et j'ai dit, le Seigneur me dit qu'il va toucher cette femme cette journée. And the Lord said. He wanted to touch that lady that day. Nous avons prié. So we prayed. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. And I said, give an answer. Remercier le Seigneur pour la vie de cette dame qui a été guérie d'un mot du cœur. And thank the Lord for the life of that lady that was healed. Et nous sommes partis. And then we left. Le dimanche qui a suivi. So the following Sunday, j'étais dans mon bureau. I was in my office. Et une dame est venue avec son mari. And then the lady came with her husband. Et elle dit. And then she said. Pasteur. Pastor, le dimanche passé, last Sunday, c'est moi qui ai reçu la guérison du cœur. I am the one that received that healing. Durant la semaine là, through that week, je souffrais atrocement. I was
was really hurt. Je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les produits. I went to the hospital, they gave me medication. Et je continue à souffrir les nuits. But I was still hurting. Donc dimanche, j'ai dit, je n'irai pas à l'église. So that Sunday, I said, I'm not going to church. Mon fils aussi avait une palud. Because my son was sick as well. Malaria. Fever. Mm-hmm. Malaria. Je ne vais pas aller à l'église. So I said, I'm not going to church. Mais mon mari m'a dit. But my husband told us, prends l'effort, il faut aller. Say, make the effort to go to church. Et elle dit, and she said, quand j'ai dit, il y a une qui souffre d'un mal de cœur. So when I say there's someone that, elle a fermé les yeux en train de prier. She closed her eyes and started praying. Elle a senti une paix, une fraîcheur au niveau de son cœur. And then she felt a peace on that area of her heart. Et elle a ouvert les yeux. And then she opened her eyes. Elle voit aussi son enfant qui était fiévreux. And then she saw her kid that was about fever. Qui est devenu gay, joyeux. That started to be, it was happy and joyful. Dit, non, je ne suis plus malade. And then the child said, Mom, I'm not sick anymore. Donc, elle a obtenu la guérison du cœur et la guérison de son enfant. So she obtained the healing of the heart. Alors, and for her children. Je suis venu pour que tu remercies Dieu qui m'a guéri. She said, I came here so that you can give thanks to the Lord that healed me. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. He said, persevere in faith. Je m'en vais aux États-Unis. I'm going to the United States. Et à mon retour. And when I come back, il faut que je te retrouve bien rétabli. À jamais, tu n'auras pas le mot du cœur. I want to find you all established with the no side effect, no. Si vous passez par une situation grave ce matin. If you're going through a really some situation this morning. Je vous invite de croire en Dieu. I invite you to believe in God. Si Dieu a fait revivre les eaux, c'est. If God revived the dry bones, Dieu peut guérir ta maladie. God can heal you. Dieu peut résoudre ton problème. God est capable de changer ta vie. God is able to change your life. Mais seulement ta confiance en lui. But only your faith in Him. Laisse les petites choses autour de toi. Just forget about all the stuff around you. Vous savez, Ezekiel a été un homme pensif. You know, Ezekiel was a. Il s'est oublié carrément. Ezekiel was thinking. He forgot himself. He forgot himself. Et il a mis ses intentions sur Dieu. And then he focused his intention on God. Ne parlons pas des problèmes, les difficultés qui sont dures. Don't talk about. Let's not talk about the difficulty. Laissez les doutes. Forget about, you know, doubts. Dis-toi que ce que le Seigneur peut faire, il le fera sans ambiguïté. Just tell yourself that whatever the Lord can do, He will do it with no problem. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Ézéchiel est ici dans la salle. The Lord of Ezekiel is here in this room. Et comme je l'ai dit, le Dieu d'Abraham est là dans la salle. Like I said, the God of Abraham is le here. Le Dieu de Lazare est encore là. The God of Lazare is here. Yeah. Amen. Amen. Nous allons lever les mains vers le ciel. Let's raise our hands. Si quelqu'un est malade, someone is sick. Si vous pouvez toucher là où vous avez mal, if you can just reach and touch where you, vous levez une main et puis l'autre main, vous touchez là où vous sentez la mal. You can raise one hand and with the other hand. Et je sais que Dieu l'a pas where you heard it. And I know that the God of Abraham is here. In the name of Jesus. You know? Oh, Heavenly Father, we are here in your name. I say these words in your name. And I trust, I believe. And I know that you are Almighty God. Yes. You never change. Somebody who is facing some problems, I don't know, and you know. As Ezekiel said, Heavenly Father, you know than I do. Yes. Those who are here in front of me, welcome to you, Lord Jesus Christ. Because of your name, we are here in this church. And I pray, I'm prophesying. As Ezekiel said, sickness, problem, get out in the name of Jesus. In the name of Jesus, I say get out. Release that man free. Jesus Christ, who can do wonders? You are incomparable, God. Nobody is like you. You are the Lord yesterday, today, and tomorrow, forever and ever. Be glorified. And let your peace, your joy, your miracles happen among the crowd, among your people. Let them see, as Ezekiel saw, the miracles in front of him. Reveal yourself to those who believe in you. Whoever is calling you at home, wherever the man will be, reveal yourself. I trust and I believe
as I said, the young man who died many hours ago, and you brought him to life in Togo. I've seen the lady paralyzed for 8 months. All doctors did in vain. When you called me in that house, and I prayed for that girl, she woke up. She began to run around, jumping everywhere. Hallelujah. And people came, gathered together. You did it. You are the same. Wherever the man is calling upon your name. Amen. I prophesy that medicine town will be, the revival will come. Bring the revival, spiritual revival in this town, so that your mighty hand may touch people. Those who are living here in this city are created by you. And you want them to come and be thankful to you. When we worship you as a daddy, as a father, I'm prophesying that bring life as you did for the dry bone. You can change. You can do wonders. Next time, if you give the occasion for him to come in this church, I make fans, hundreds, thousands of people in this church. Full up. See the benches. There are places for people to sit down. I'm prophesying that you may bring people to full this church in the name of Jesus. Because you are worthy to be praised. May your Holy Spirit be with us this morning. In the name of Jesus, I pray. Amen. My brother, I appreciate your name. I love you. Amen. Hallelujah. Let's give God a praise. Come on. Hallelujah. Let's speak. Let's do this. Let's speak to yourself. Listen, I don't want you to leave ever this place. Come on. The presence of God is here. Hallelujah. I want to take another step, another question, if you will. I want you to speak to your dry bones in your life. Come on. Yeah. I want you to speak to them right now. Don't leave here because the anointing of God is here right now. Yes, yes, Lord. And what is happening in your spirit right now is life. It's coming alive. Your spirit's coming alive because you heard the word of God. Now speak to your situation, whatever it is. If it's sickness or it's finances or it's relationships or it's fear or it's doubt. Or whatever that dry bone is, I speak to that dry bone to come alive in Jesus' name. Come alive, body of asthma. Come alive, sicknesses and diseases. Come alive, confusion. You have to leave in Jesus' name. Come alive. Now wait a minute. Listen, listen. Listen to those bones coming together. Listen to your faith coming together. Listen to the ligaments and the skin forming over your situation. Listen to the spirit. Listen to the four winds coming and putting life into those situations right now in the name of Jesus. Come alive. Come alive. Come on. If you are you that army today? This is what I was thinking when Pastor was speaking. Are you that army today? Come on, if you're that army, I want you to come and get out of your seats. Come up here to the altar. Come to the altar. You that army, are you the army today? The Spirit of God's coming and the four winds are bringing life into your situations. And it says a vast army, an anointed army, a prophetic army, an army that's going to be used for the kingdom of God. Come, because there's work to be done and it needs, God says, I want you to prophesy. I want you to prophesy. I want you to prophesy. And you and you and you and you. I want you to prophesy the word of God today. And the Spirit of God is going to come and from the four winds all over the world and it's going to prophesy. You're going to prophesy and you're going to speak to those dry bones and those dry bones are going to come alive. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, you believe today. Come on. Come on up here. Come on up here, army of God. Hallelujah. And let the glory of God
fill your heart. Let the Spirit of God fill you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jehovah. We're the army of God. We are together, a unified body of believers, believing that God can do great things in the city of Madison and all over the world. I surrender all to you, Jesus. I believe we're not going to be the same old guy calling the old dead church that we used to be, God. But you're going to write the Holy Spirit, fill us with your power. In the name of Jesus. Hallelujah. Fill us with your power. In the name of Jesus, Lord. Oh, hallelujah. We send all problems out in the name of Jesus. We trust and we believe in your word. Christ, hallelujah. Almighty God, do it for your glory. We believe, Lord. In the name of Jesus. We believe, Lord. Oh, we believe, Lord. Pour out your spirit on this children. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Hallelujah. Prophesy, young woman. Prophesy, young woman. Prophesy. Jesus, pour out your spirit, God. He said when they're gathered together, he poured out his spirit again in a place where they were shook, and they went out from that place with boldness and spoke the word with boldness. They spoke the word with boldness. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. I'm going to read this in Acts 2:17. It says, and in the last days, he said, God declares, will I pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. It doesn't say, there's no you may or if you want to. The only reason we don't prophesy, folks, is because of our disobedience. Hallelujah. Prophesy, children. Everybody just raise up your hand towards heaven. If you want to prophesy for the kingdom of God. Yeah, my friend. From the north and the south and the east and the west, the Spirit of God fell on those fleshly bones. And breath came into them and they began to prophesy. Oh, Holy Spirit, pour your breath. Jesus. Come, pour your breath. Jehovah. Breathe into these dry bones. Breathe into these people, Lord. Hallelujah. Breathe into them. Breathe into them, Holy Spirit. Your life. Hallelujah. Your life. Your life. Hallelujah. Your boldness, Lord, that it may speak the word of God with boldness and prophesy unto those dry bones and they become alive in their workplace, in their school, in the community, where in their neighborhood, Lord God. Let them prophesy for your kingdom. Hallelujah. We give all the praises and glory and honor. Hallelujah. Yes, Yalara Vasoto Yalara. Come on, prophesy. Come on. Speak in tongues. Praise Him in your spirit language. Take a few more minutes. Just give me 3 or 4 more minutes. Let's just worship Him in your spiritual language.
Les atrocités. On va t'en faire, papa. Tu es le Dieu de tous les continents. Tu es le Dieu de tous les continents. Amen, le réveil. Le réveil dans cette église. Father, until we're one, Lord. Father, until we're one, remove all doubt and fear and inhibitions, Lord. Remove everything that would separate us as a family of God. Father, till, come on, will you say that with me, folks? Until we're one. Say that, until we're one, so that Jesus Christ may be glorified in the earth. Until we're one, God. One family. One Lord, one Savior, one Spirit, until we're one, God. Change us. Take every dry bone, everything, every fear in us, God, and put ligaments on it, put skin on it, and pour your Spirit in it that we may be one for your glory. Thank you, Lord. Father, bless your children. Resurrection. Bless these, your children, Lord. Bless. Oh, God, bless the Lord. Bless them so much. Pour out your Spirit in them, God. Oh, God, that our focus would be to glorify you only and nothing else, Lord. That we sacrifice all for your kingdom, God. That you may be glorified. My descent. Oh, touch us, city, Lord. My descent. Touch our city. Let it never be the same again. Dieu, tu es capable. Hallelujah. Dieu, tu es capable. I want to give you a moment before we leave. Anybody has a word that they feel like God's putting in their heart that they want to share with the congregation? I want you to just come up here. Come over here by the platform. Anyone at God right now, you've been standing in the presence of God and God's been speaking to your heart. And something that you want to share with the congregation, I want you to just take a minute. Anybody at all? Anybody at all? Hallelujah. You know it's God when all the babies are sleeping. You know that, right? Hallelujah. Right, Pastor, you know it's God when all the babies are sleeping nice and quiet, right? They're listening to the Spirit of God. Hallelujah. I want to close our. Does anybody have anything from the Lord that you feel like I want to share? God's work, all right? I want all the ladies come around here right now. I want all the ladies. Let me tell her something. Yes. If Ezekiel ran away, when he saw the bone, the fear sent him out and he ran, he returned. No, nothing will happen. He took courage and he stood there. That's why the miracle happened. So continue, persevere, continue, be there, and you will see the touch of the Lord. Amen. Hallelujah. All, come on, ladies, gather around. Hallelujah. Lay hands on her. Yeah. Hallelujah. That's what the Bible says. Hallelujah. Come on. Come on. Pray for her. Yes. Pray. All fear gone in Jesus' name. In the name of Jesus. Arabasanda. L'Éternel des armées agit dans la vie de notre sœur. Qui a des doutes et qui souffre en elle-même. L'esprit de doute est de tous les problèmes. Nous la neutralisons au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel consume tout ce que peut être un lieu de découragement.
et agit dans sa vie. J'envoie l'Esprit du Seigneur au nom de Jésus pour la délivrer, la délivrance complètement de sa vie, pour qu'elle puisse être confiante en toi et mettre sa vie en toi. Oh Seigneur, tu es le maître hier, aujourd'hui et à jamais. You are great wonders. And you did it already. We just want to say thank you for helping her now. Amen. We trust that you have done it in the name of Jesus. And we believe, receive it in the name of Jesus. And be free from now going. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you. Praise. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.